Bonjour. So this is the third and last French lesson that we will have. In this lesson, you will learn the verb to speak, some languages, the numbers from 21 to 40, and some vocabulary. Hola, esta es la tercera y última clase de francés. En esta clase vas a aprender el verbo hablar, algunos idiomas, los números del 21 al 40 y vocabulario. ¿Listo? ¡Vamos! Alors, on commence la leçon numéro 3 du club de français. Listen and repeat, ok? Escuchen y repitan. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe parler, les langues, les nombres du 21 au 40 et du vocabulaire. Le verbe parler. Le verbe parler. Alors, on commence en français. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. Et ici, tu as la traduction en anglais. Et ici, tu as la traduction en espagnol. Je répète en français. Je parle. Tu parle, il parle, elle parle. Alors, maintenant, on va voir les langues. Les langues. Tu as par exemple espagnol, anglais, français. C'est les langues qu'on parle. Je répète, espagnol, anglais, français. On a quelques exemples. Exemple, je parle anglais. Et ici, tu as une liaison. C'est je parle anglais. Je parle anglais. Tu parles espagnol. Et ici, tu peux faire une liaison. C'est tu parles espagnol. Tu parles espagnol. Il parle français. Ici, tu n'as pas de liaison. Il parle français. Il parle français. Après, on a elle parle anglais, espagnol et français. Et ici, tu as une liaison. Elle parle anglais. Elle parle anglais, espagnol et français. Les nombres. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres du 21 au 40. On commence. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Ouh. 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37,
37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Et ici, on a quelques exemples. En français, par exemple, tu as ma cousine a 21 ans. Ma cousine a 21 ans. Ici, tu as la traduction en anglais et ici, tu as la traduction en espagnol. On voit l'exemple numéro 2. Mon père a 40 ans. Mon père a 40 ans. Tu as la traduction en anglais et la traduction en espagnol. Exemple numéro 3. C'est 1, 2, 3. Exemple numéro 3. Ma mère a 32 ans. Ma mère a 32 ans. La traduction en anglais et la traduction en espagnol. Exemple numéro 4, c'est 1, 2, 3, 4. Exemple numéro 4. Mon anniversaire est le 26 septembre. Mon anniversaire est le 26 septembre. Très bien. On continue. On va au point culture, de la culture française. Aujourd'hui, je veux vous enseigner l'Arc de Triomphe, que c'est celui-ci. Et l'Arc de Triomphe est un monument qui a été construit entre 1806 et 1836, ordonné par l'empereur Napoléon Ier. Ça, c'est Napoléon. Il a ordonné qu'on construise l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, qui se trouve à Paris, connecte 12 avenues, dont la plus importante est l'avenue des Champs-Élysées. Par exemple, tu as une avenue, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. 12 avenues qui connectent l'Arc de Triomphe à Paris. Et là, tu as l'Arc de Triomphe et ça, c'est les Champs-Élysées. Ici, tu as l'Arc de Triomphe aussi. Ça, c'est les Champs-Élysées et tu as beaucoup de cafés et beaucoup de personnes qui marchent. C'est très joli. Alors, pour la musique, cette semaine, je te conseille cette chanson qui s'appelle La vie en rose par Zaz. La vie en rose est en fait une chanson qui chantait Édith Piaf. C'est une chanson française classique, mais j'aime beaucoup la version de Zaz qui est plus moderne, plus jolie. Donc tu vas sur YouTube et tu écris La vie en rose par Zaz. Et pour terminer, c'est à toi de parler français. Tu vas sur Flipgrid avec ton compte, le password, et tu enregistres ta propre vidéo en parlant français. Merci beaucoup. Ciao, ciao.